Invitée sur le plateau de Jordan Deluxe, ce lundi 9 janvier, l'actrice Firmine Richard a évoqué avec une très vive émotion son fils Kenneth, actuellement derrière les barreaux pour des coups mortels portés à un trentenaire, en avril 2021. C'est un sujet très difficile à évoquer pour Firmine Richard. En avril 2021, son fils Kenneth était interpellé par la police, soupçonné d'avoir agressé à l'arme blanche un homme de 39 ans, en Seine-Saint-Denis, à proximité de la station de métro Pantin-Bobigny-Raymond Queneau. Selon les informations dévoilées par Le Parisien à l'époque, le fils de Firmine Richard, âgé de 39 ans au moment des faits, se serait selon certains internautes écharpé sur les réseaux sociaux avec sa présumée victime, avant de le poignarder à 10 reprises dans le quartier où réside également sa mère. La victime avait finalement succombé à ses blessures, les secours n'ayant rien pu faire pour la réanimer. Interpellé par la police, Kenneth se trouve actuellement derrière les barreaux, en attente de sa peine. Le quadragénaire possède déjà un casier judiciaire bien rempli, lui qui comporte au moins 8 condamnations, notamment un an de prison ferme pour une agression homophobe, comme l'avait rapporté Sud-Ouest. Il va être jugé bientôt, et je sais qu'il sera lourdement puni ce lundi 9 janvier. Firmine Richard était l'invitée de Jordan Deluxe, qui l'a interrogée sur la manière dont elle vivait la situation de son fils. « Mon fils est en prison et pour moi, c'est très dur à vivre. Mais je dois survivre pour lui. Je vais le voir régulièrement, une fois par mois. Je suis maman. Je serai maman jusqu'à ma mort et au-delà de ma mort. Une maman reste une maman », a-t-elle confié, très émue à l'évocation de Kenneth. L'actrice de 75 ans, vue notamment dans le film 8 femmes, aux côtés de Catherine Deneuve ou encore Isabelle Huppert, est ensuite revenue sur les circonstances tragiques qui ont mené à l'arrestation de son fils, en 2021. Mon fils a effectivement porté un coup mortel à quelqu'un qui est venu le chercher devant chez moi. Mon fils était toujours sur les réseaux, c'est quelque chose de terrible. Tous les problèmes de mon fils sont venus des réseaux. Ce gars est venu à 5h du matin devant chez moi en disant que s'il ne sortait pas, c'est lui qui rentrerait dans la résidence. Mon fils est sorti avec un couteau, car ce n'était pas la première fois que ce gars le tapait, et c'est un colosse de 1,92 m. Il va être jugé bientôt, et je sais qu'il sera lourdement puni parce qu'il y a mort d'homme, a-t-elle expliqué. La gorge serrée, Firmine Richard a révélé avoir assuré à son fils qu'elle le soutiendrait jusqu'à ce qu'elle meure. Un témoignage poignant.